J'espère que je peux le faire. Diana, allez, tu peux le faire. Allez, allez. Non, tu peux pas. Non, elle peut pas. Oui, oui, elle peut. Allez, voilà, vas-y. Décidément, c'est si effrayant. Allez, Diana, tu peux le faire. Allez, Diana, jette-toi à l'eau. Il n'y a pas moyen. Allez. Allez. Attends, je dois attacher mes cheveux. Allez, saute, t'attends quoi? Elle sautera pas. Elle sautera pas. Et tu ne peux pas sauter. Non. Diana, allez, tu peux le faire. Ah, je suis tout proche de le faire. Allez, Diana. Allez, Diana. Eh, t'as vu ça? Diana l'a fait, Julie l'a fait, Gigi l'a fait aussi. Si Nat le fait aussi, alors on est foutu. Faut faire foirer Nat. T'inquiète, on va la distraire. Oui, comment tu l'as fait? C'est maintenant au tour de Nat. Allez, Nat, ne me laisse pas tomber. Allez, Nat, prépare-toi. Bien, es-tu prête? Allez, Nastia. Non, je ne suis pas prête. Allez. Arrête ça. Allez, Nat, on doit le faire, Nat. J'ai peur, et si je tombe? Tu tomberas nulle part. J'ai peur. Tu ne tomberas pas. Je l'ai fait, alors. Allez, Nat. N'aie pas peur si tu échoues. Je t'y jetterai moi-même. Allez, sautez. Allez, saute. Gigi est déjà passé. Allez. Je ne peux pas. Oui, tu peux. Je te tiens. 1, 2, 3. Oui, la victoire est à nous. Yeah. Et en fait, c'est comme un tirage au sort, les garçons. Vous en avez réussi 3 et 3 d'entre nous. C'est juste. Non, c'est pas juste, Nat a échoué. Eh, mais vous n'avez pas du tout gagné, nous avons le deuxième tour. Oui. Seulement, c'est pas les essais sont passés comme ça. Comme ça. Eh bien, pouvez-vous y arriver? Qui va en premier? Peut-être toi, Kev. Allez, Kev. Eh ben, les gars, faisons-le. Qui est le téléphone qui sonne? C'est moi, je reviens tout de suite. Attendez-moi, allez, les vite. Garçons, les filles, eh ben vous voyez, si nous gagnons maintenant, votre voiture sera à nous pendant toute la semaine. Salut, Nathalie, où es-tu? Nous faisons des concours ici, nous jouons déjà. Quoi? OMG, où? Nathalie. Eh, les gars, on a des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Quoi, encore des excuses? Mais il n'y a pas d'excuses. Écoute, Nathalie a appelé, elle a des ennuis, quelque chose s'est passé, mais elle n'a pas eu le temps de me le dire. Alors pourquoi Kitty n'est pas là? Elle a dit qu'elle sera la première à participer au concours. Diana, qu'est-ce qu'elle a dit? Où est-elle? Qu'est-il arrivé? Bah Nathalie, elle m'appelle, elle fait comme Diane, aide-moi, je suis comme que se passe-t-il? Et elle fait pareil, je me suis pris un arbre. D'accord, Diana, Nathalie voulait juste pas venir, eh bien on prend la voiture. Diana, tu ne penses pas que Nathalie pourrait te mentir? Tu sais, Gigi, Kitty ne ment jamais. Attends, Diana, que suggères-tu alors? Ah, tu vois pas, maintenant on doit aller sauver Kitty. Vous savez quoi, les garçons? Si vous ne voulez pas sauver Kitty, nous, on la sauvera nous-mêmes. Oui, nous l'aiderons. Tout le monde, allons-y. Eh ben, les gars, vous y croyez? Kev, comment leur faire confiance? Elle voulait plus jouer. Eh ben, on reste pas ici, on y va tous ensemble. Allons-y. Alors, les filles, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Les gars, je pense que nous devons demander si quelqu'un l'a vu par ici. On va demander maintenant. Je peux demander si les gens ici. Cours. Gigi, on va se balancer. Mais où allez-vous? Où sont les filles? Allez, Nat, balance-moi. Gigi, eh bien... Je vais te balancer si fort que tu vas boucler la boucle. Ça ne marchera pas. Êtes-vous venu ici pour vous balancer ou bien chercher Kitty? Allez vite, cherchons. Eh bien, écoute, les garçons... Il n'y a absolument rien qui montre que Kitty était là. Il faut la chercher. Quoi qu'il en soit, on doit bouger et la chercher et ne pas rester ici. Allez les filles, descendez de la balançoire, il faut aller chercher Kitty.
Diana, on se balance pendant une minute, puis on ira chercher votre Kitty. Décidément, je n'ai vraiment pas envie de chercher Kitty. Mieux vaut nous balancer ici. Allons, allons-y. D'accord, descends. Je peux pas faire ça. Moi aussi. Où est passée Kitty? Nous devons la chercher. Les gars, n'abandonnez Allez, pas le courant. Oh les gars, il y a quelqu'un là-bas. En effet, c'est une personne. Oui, c'est quelqu'un. Demandons-lui. Cours. Attendez, s'il vous plaît. Quoi? Hey, bonjour grand-mère. Puis-je vous poser une question? Hé, hey, pourquoi m'as-tu appelée grand-mère? Je suis toujours jeune. Qu'est-ce que vous voulez? Demandez toujours. Oh, jeune femme, je suis désolée, nous vous posons juste une question. Est-ce que vous aurez vu une fille? Elle est petite, elle a les cheveux courts et elle s'appelle Kitty. C'est notre amie. Le truc, c'est que lorsque nous parlions au téléphone, l'appel a été interrompu. Ouais, imaginez, elle a dit qu'un arbre l'avait kidnappée. Une histoire, hein? Alors, vous cherchez votre amie, non? Eh bien, beaucoup d'enfants se sont perdus ici. Beaucoup de choses se perdent ici. Grand-mère! Oh, désolée, jeune femme, pouvez-vous me dire où cet arbre qui kidnappe les enfants? Que va-t-il se passer si je le dis? Dites-moi déjà, si vous savez où se trouve cet arbre, on peut faire du shopping pour vous? Allez faire les courses de votre grand-mère! Allez, divertis-moi! Si vous me surprenez alors, peut-être je vous dirai où est l'arbre! D'accord, mais comment pouvons-nous vous divertir? Comment? Danse pour moi, danse! Faites un peu de pumpy pour moi! Allez, j'attends! Allons! Ok les filles, ce qu'on va faire, c'est que Gigi chante et les garçons dansent! D'accord. Allons-y! Chantons cet air là! Gigi, vas-y, danse! Gigi, 1, 2, 3! Eh bien, c'est tout, grand-maman. On vous a fait rire. Dites-nous où se trouve l'arbre. Oui, montre-nous le chemin. Je ne suis pas une grand-mère, alors d'accord. Allez-y, trouvez le premier signe. Lorsque vous trouverez la signification du signe, il y aura un indice où aller ensuite. Bon sang, quel signe! Okidoki, mamie. Oui, merci. Allez, on y va. Allez au cours. Allez au cours. Arrête de m'appeler mamie. Je vais t'attraper. Alors les gars, il me semble que c'est le même chemin. Nous sommes tout près de cette... Diana, quel signe devrait-il y avoir? Je ne sais pas, eh bien, je pense que nous le ferons d'accord, maintenant. D'accord, allons-y. Faut observer attentivement pour en finir avec cette recherche. Dépêchez-vous, ne prenez pas de retard. Les gars, attendez! Voici le signe! Qu'as-tu vu ici? T'as le signe! Qu'est-ce que c'est? Nourris-moi! Qu'est-ce que ça veut dire? Une idée? Les gars, ça veut dire nourris-moi! Je pense que nous devons donner quelque chose à manger à cette main, mais je ne sais pas. Je n'ai rien. As-tu quelque chose? Je n'ai rien. Gigi, as-tu quelque chose à donner à cette main? Oui, il y a quelque chose! Regarde bien dans ton sac! Regarde ton sac! Merci! Repartez maintenant! Les gars, nous avons déjà trouvé un signe. Il faut encore chercher. Oui, courons. Cours. Ah, ma jambe, les gars. Gigi, que s'est-il passé? Eh bien, je me suis foulé la cheville. Bon sang, Gigi, nous devons chercher Kitty. Et maintenant, que va-t-on faire de toi? Allez, tout va bien, prends-la dans tes bras, on y va. Allez, attrape-la. On ne peut pas perdre de temps, allez. Allez, allons-y, courez, observez. Art, allez, attends. Les garçons, dépêchez-vous. Oui, Gigi, calme-toi. Attendez, c'est un signe. Gigi, pourquoi soupires-tu? T'es fatiguée de nous suivre? Oui, je ne suis pas à l'aise. Art a des mains toutes maigres. Allez, porte-moi sur ton dos. Ouais, c'est ça, Gigi. Tu vas y aller à pied. Arrêtez les gars de vous disputer. Il est écrit ici. Aidez-moi, c'est qu'il a besoin d'aide. Et comment on va aider cette main bleue? Je ne sais pas, réfléchissons. Les gars, je pense que l'arbre est proche et Kitty est quelque part par ici. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Bougeons! Dépêchez-vous, les gars! Gigi! Aïe! Rattrape-nous!
Les filles, dépêchez-vous. On galère depuis une heure et il n'y a rien. Je suis en train de crever ici. Nous y serons bientôt, j'en suis sûre. Alors regardez, il y a beaucoup d'arbres ici. Regardons chaque arbre. Les gars. Les filles. Regardez. Je pense que c'est l'arbre qui a kidnappé oui, Kitty. Oui, mais attends, Kitty. Allez, dépêchez-vous. Hé, hey, toi, maladroit, où est l'autre Kitty? Dis-nous maintenant. Allez. Aidez-moi et je vous dirai où est votre Kitty. Ah, arbre, et comment pouvons-nous vous aider? Vous êtes si grand et nous sommes si petits. Oui. Un œuf est enterré sans moi. Déterre-le et casse une partie de l'œuf. Cette partie fait de ma vie une misère. Quoi? Un œuf sous l'arbre? Julie, on t'a dit qu'il y avait un œuf. Oui, creusons. Oui, creusons. Oui, creusons. Mais comment creusons-nous? Prends ce bâton, vas-y. Allez, creusez. Oh wow. Nous avons trouvé l'œuf. Oui, oulala. C'est nous devons pièce. La casser. Casse-la. Arbre, nous avons trouvé la pièce. Devons-nous le casser? Casser cette pièce, Edith. Nous cassons cette pièce. La malédiction est détruite. Avez-vous entendu? Oui. Allez, Nat. Oui. Tu casses la pièce et je jette un sort. On casse cette pièce, donc la malédiction est détruite. Alors, où est votre Kitty? Hé, hey, Arbre, on doit encore attendre. Eh bien, oui, où est Kitty? Trois arbres poussent derrière moi, avec un buisson derrière eux. Et ce buisson n'est pas comme les autres. Votre Kitty est à l'intérieur. Oh, merci, allez. Allons vers les buissons. Hé, hey, les gars, on a retrouvé Kitty. Kitty. Kitty, enfin, on t'a trouvé. Nous te cherchons depuis 3 heures. Mais je me suis tordu la cheville à cause de toi. Les gars, je peux pas partir. L'arbre doit être libéré. Eh bien, cet arbre, celui qui nous a fait peur là-bas? Oui, oui, c'est cet arbre. Bah ouais, nous avons déjà libéré cet arbre. Bah ouais, on a brisé cette pièce. Ouais. Merci, allons-y. Allez. Je vous aime. Abonnez-vous à la chaîne et likez mes vidéos.